Salut à tous, c'est Flavien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la première vidéo où je vais monter mes personnages. Bon, je vais pas faire que ça, évidemment on va partir en Sam du coup parce que évidemment... Parce que évidemment je vais pas que faire une vidéo où je vous montre mes personnages, ça ne servirait à rien du coup. Ça vous fait perdre votre temps aussi. Du coup on repart là. On va finir d'entraîner nos personnages. Oh putain, il faudra que je vende des persos, des cartes. Du coup là on peut faire ça. Kiba je t'aime bien mais on va te vendre. Ino ça c'est une 2 étoiles un peu mieux peut-être. Du coup pour l'instant les cartes c'est Ino, Neji on garde pour dernier. Toby, Karine. Ok ok, tac on va vendre ça du coup déjà les amis. Au pire j'irai acheter des... Bah parce que... Marie, on la laisse avec ensuite Kiba 5 cartes, j'aurais pu lui la mettre mais on va dire que Kiba je l'utilise jamais et c'est la vérité en plus. Ensuite j'ai vu Shoji ou j'ai pas vu Shoji? Non, c'est... Ah mais non, c'était Ino, c'était Ino et Karine. Alors Ino est là. Ino, on lui rajoute la petite carte là, bim. Et il y avait Karine qui va prendre sa petite bronze. Bim. Et il y avait Toby. Voilà. Toby. Il est où Toby? Il est là. Il est là. Il va prendre sa quatrième carte. Bim. Et là, il me semble qu'il me reste plus que les cartes de Neji pour l'instant. Et du coup, on va aller améliorer en dernier. Mon perso préféré, il y a 2 cartes de Neji. Voilà, on va faire le petit synthèse. Neji encore, et je crois que pour le reste c'est tout bon ou pas? Est-ce que c'est tout bon? Ah oui, oui, je me disais j'ai une 4 étoiles de Neji, mais non, non, c'est normal, c'est une bronze de Neji que j'évolve en 4 étoiles. Et c'est tout bon, donc je vais juste aller là-dedans, je sais plus comment on fait, je vais aller là-dedans. Non. Ok, ça doit être là. Ouais, voilà. Bon, on va utiliser 2 fois. Comme ça, on a une box de 100. Ouais, ouais, tu sais quoi, autant aller à 200. Hein. Je voulais garder 150 shinobits. Autant aller à 200. Et du coup, maintenant, on va pouvoir aller voir notre shinobi préféré. Qui, malheureusement, il me fait de la peine parce qu'il est dans mes derniers. Puisqu'il s'agit de Neji Hyuga. Mais il va prendre 3 nouvelles cartes. Il va prendre 3 nouvelles cartes. Espérons que ça soit... Je crois déjà qu'il y a une des cartes que c'est pas un jutsu. Dites-moi que les 2 cartes, ce soit des jutsu. Alors là, il y a un jutsu, le vert. Mais la carte qui était en double... Oh putain, la carte qui est en double, c'est pas un jutsu. Oh le seum. Putain, je pensais avoir 2 nouveaux jutsu pour Neji. Finalement, j'en aurais qu'un. Du coup, la carte que j'ai en double, c'est pas un jutsu. Ah, merde. Putain, en plus, je le voyais faire le... Il se préparait à faire peut-être soit les paumes du haké ou tourbillon divin. J'étais tout content. Et cette carte, du coup... Eh ben, c'est pas un jutsu de ouf. Toujours pas de paume du haké. Toujours pas de tourbillon divin. Toujours pas de tourbillon divin. Toujours pas de 64 points du haké. Toujours pas de paume du haké. Ça fait un peu mal. Mais au moins Neji remonte pas mal au classement. Remonte très très bien même. Il passe à 20 000 alors qu'avant il était à 13 000. Il passe ici à 20 000 alors qu'avant il était ici vers les 13 000. Ah, Tsunade. Pas mal Tsunade. Elle est marrante la carte avec Killer Bee. Oh, elle est trop stylée la carte. Du coup les amis, voilà. Pour ces invocations qui ont été très très bien hein, puisqu'on a eu surtout le principal des cartes de Neji, Shikamaru et Minato comme... Et on a eu aussi l'ultime de Monsieur Sasuke Uchiwa. Je sais pas, moi je l'appelle après la Grande Guerre. Le Sasuke de Boruto, voilà, j'ai eu son ulti qui a l'air d'être quand même assez incroyable.
Donc les amis, maintenant qu'on a fait ça, on va se refaire une petite multi-invocation Rio. Est-ce qu'on pourra avoir des fragments d'héros? Ok, ça marche. Et ben rien que pour la peine, on en fait une deuxième. Et on a eu Shigetsu. Shigetsu. Du coup les amis, je vais vous montrer. Déjà vous pouvez rejoindre ma guilde. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. On est pas mal, on commence à être un nombre assez complet, 10. Mais malheureusement, j'ai jamais pu parler à quelqu'un. Jamais qui me répond les amis. Peut-être que c'est parce que vous jouez pas en ce moment, mais sinon envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir. Quand on va dans la forteresse, on peut voir que ça s'est nettement amélioré. Voilà, 20 lose et 7 win. Je vous rappelle que avant de mettre cette map là, j'étais à 20 lose et 2 win. Donc bon, on a fait 5 victoires pour 0 défaite depuis que j'ai cette map là. Sinon, je vais aller dans le SAM. Hop. Vous allez voir que pour gagner, je compte souvent sur les autres. Hein. Souvent, c'est des mecs bien plus balèzes que moi. Je me fais one shot et puis c'est réglé. Mais là, on peut aller tester l'ultime du nouveau Sasuke. D'habitude, soit j'utilise Sakura et je heal mes partenaires pour les aider au mieux. Soit j'utilise Gaara ou Hashirama pour faire au moins une ultime. Là, personne veut me rejoindre, ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. On se sent aimé dans ce jeu. Surtout quand on se fait rejoindre aussi rapidement. Ça fait plaisir. Ouais. Ils veulent me tuer. Ma vidéo, c'est bâtard. On va mettre sur pause, les amis. Bon, les amis, personne ne veut me rejoindre. Donc on va y aller tout seul et on va aller tester notre... What the fuck? Pourquoi j'ai Orochimaru et Itachi aussi haut qui brille? Ah mais c'est pour ça que les gens, je viens de comprendre. Les gens ils utilisent que Itachi, Orochimaru et le Naruto KCM. Mais c'est parce qu'ils ont un boost ces trois unités là. Oh là là, je suis trop con, je viens de comprendre. Je savais même pas que les trois là avaient un boost. Putain, j'aurais dû utiliser les trois là depuis le début. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis con. Bon, je suis tout seul. On utilise lui pour au moins voir son ulti. Alors s'il te plaît, ne me tue pas. Bon, calme-toi. Ça marche. Je suis mort, ça fait plaisir. Ouais. Mais putain, j'ai enlevé des points quand même. Bon, du coup là je crois on peut refaire le boss avec une autre équipe. Mais il aura le même nombre de PV que je lui ai mis, du coup il lui reste pas mal de temps. On va attendre un peu qu'il y ait au moins un mec ou deux qui arrivent. Si c'est pas trop long. À 200... Oh mon gosse! What? 13 000! Il est sérieux lui! Et voilà, c'est pour ça qu'en fait ils utilisent tous Itachi. Regardez, j'étais en mode mais pourquoi ils utilisent tous Itachi, Naruto KCM et Orochimaru? Ouais, calme-toi. Voilà, utilise le Itachi Lamaterasu. Moi, je vais utiliser ma spé. Le feu. Ça, c'est du feu, du coup. Ça, je... Ok, ça marche. Ça marche, les amis. Et voilà, les amis. On a perdu à cause... Enfin, on n'a pas perdu, mais c'est à cause du temps. Et comme d'habitude, voilà, on a des petits tickets, c'est pas les tickets d'invocation. Et comme d'habitude, vous pouvez le voir, j'ai été très utile. Puisque mes partenaires ont mis 713 000 et 504 000. Alors que moi, j'ai mis 1000. J'ai mis 713 fois moins de dégâts que le premier mec. Ce qui prouve que je suis très utile dans les games. Et que je mérite beaucoup. En tout cas, ouais, c'est bon. Ouais, j'ai pas votre temps, les mecs.
Du coup, les amis, pour ce Sam, surprise attaque mission, première fois pour ma part, je suis très content parce que c'est un mode de jeu plutôt cool. Les récompenses sont assez cool également, surtout en termes de... Bon, pas trop en termes de Shinobi. Pareil, en termes de spé, c'est quand même compliqué d'avoir l'aspect. Mais en termes de ressources, hein, de ressources pour le matériel, c'est assez stylé. Et pour se quitter, on va se quitter avec une petite single. Comme ça. Et on a deux pierres vertes, ça fait plaisir. En tout cas, les amis, je vous dis ciao tout le monde. Et à plus! Ciao, ciao!